Il y a des meufs, elles sont tellement parano, elles peuvent avoir un mec fidèle, gentil, attentionné, drôle et qui maîtrise la boxe thaï, mais elles vont quand même aller fouiller dans son téléphone, interroger sa mère, enquêter sur lui et faire des recherches sur son passé. C'est des malades mentales. Après, le gars, quand il va voir que sa meuf, elle l'espionne, il va s'énerver, c'est normal. Il va lui dire: Ah ouais, tu m'espionnes? T'as pas confiance en moi? Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? T'as cru que c'était le téléphone à ta mère? Viens, on fait un tête-à-tête. Tu crois t'es qui? Espèce de pute. Et là, la meuf, elle va pas lui dire: Non, désolé, je me suis trompée, j'ai pas fait exprès, je me faisais des films. Elle est tellement parano, elle va lui dire: Ah ouais, tu t'énerves? Ça veut dire t'as des trucs à cacher, c'est ça? Après, elle va s'embrouiller avec lui alors qu'à la base, il a rien fait du tout. Elle va le perdre et une semaine après, tu vas la retrouver, elle aura acheté un chat, un album de Vita et un flingue. Et même le chat, il va partir. Il va lui dire: Moi, je reste pas avec toi, sale chouin. Je suis un chat bien, je reste qu'avec les vrais. Je te jure, il va dire ça, le chat. Faut respecter les chats, c'est...